Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie, Critique Info. On va mélanger politique, économie, justice, dans le but d'éclairer l'opinion. Mes frères, le Congo ne peut pas se permettre le luxe de croire qu'on est dans un, on est dans une situation normale et qu'il faudrait être neutre, ne pas prendre de position. Cette question, vous connaissez ma position. Ne cherchez pas la neutralité de mon côté, allez la chercher ailleurs. Il y a bien des Congolais qui veulent être neutres, moi je ne le suis pas, moi j'ai ma position. Et mes positions sont des positions de rétablissement de l'état de droit. On n'est pas une jungle. Nous ne sommes pas une jungle. Il faudrait rétablir certaines valeurs. Commençons par les informations d'abord. Impact News, sommet de démissionner avec son bureau, Jeanine Mabunda. À la porte de Makala. Voici les extrémistes et vautours du FCC qui ont déjà creusé le trou. Enterrement du Raïs Kabangé. Et puis, vous avez Kabuya s'en prend violemment au ministre des Finances, matinée politique, c'est la manchette. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Voici quelques éléments qu'il faudrait tout le banan ou l'élo. Bandeko, Nasengrango toujours. Que le Congolais, nous avons un véritable problème. Notre problème, c'est la difficulté de la réflexion. C'est aussi la déstructuration de notre cerveau. Beaucoup de Congolais ont été touchés dans leur capacité de réfléchir, dans leur capacité d'analyser. Et ce n'est pas de leur faute, mais c'est fait à dessein. C'est une programmation d'abrutissement collectif. C'est une programmation d'aliénation. Il y a des gens qui ont travaillé jour et nuit pour abrutir ce peuple, pour l'empêcher de réfléchir. On a fait une sorte d'immigration du cerveau au ventre, une permutation. Cette permutation a finalement créé des sortes de types de personnes qui ne réfléchissent qu'après avoir mangé ou qui consacrent toute leur réflexion que pour manger. Alors, dans ton modèle, on a une réflexion moulaï et zamingité. Ils acceptent des rumeurs parce que l'information, c'est le fruit d'un travail. Ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas analyser. Je vais d'abord commencer par démentir une information au Nazoyo Kango Awa. Balobi Balongoli, qui j'ai, quartier général à ma militaire, Balongolongo Pemenya, président de la République, parce que Bazobanga, ceux qui. Ma militaire, Balongwe, Bangongo Balongwe, Balengi Soukounate. Non, je vous rétablis la vérité. Mesdames et messieurs, partout dans le monde, partout alors à travers l'humanité, ma militaire, ma civil, va prendre la place de mon côté. Il faut qu'il y ait déjà, par principe, une séparation. Dans certains pays, la résidence du président. Bateau Mazaka aux alentours, le président, et Gozaba, armée telle, l'armée ne peut pas être à côté là, sauf
soit que ce président est un dictateur ou ce président est un militaire. Mais si le président n'est pas militaire, il n'a pas des accointances avec les militaires, il n'est toujours pas prudent que l'armée, le quartier général, là où les militaires et les policiers vivent au quotidien, et dans la pembénia présidente de la République. Bah, évita que généralement, bah, coup d'État, bah, évita que généralement, bah, sale besogne. Vous savez, lorsqu'un militaire abat un président de la République, on va revenir dans l'étape, il y a États-Unis. La personne qui avait abattu Kennedy, cette personne-là, on l'a traité de fou. Hein. On a dit qu'il était dément, il avait la démence avec une maladie cilée. Français, quand même, c'est. Au moment où il y a un moutabomi, c'est fini. L'affaire est finie, la personne, on va dire que, avec un moutou, pas si, il y a un problème, un moutou. Ou alors, on peut même dire qu'il y a un paiement, il y a un paiement, bah, ma frustration n'a pas encore accumulé. Et là, je ne sais pas si, président, ma sassi, ma tindi était. Et quand ça a difficile qu'on retrace, nani a tindi qui est à bon Babilo Kouan. Alors, pour éviter Babilo Kouan Bongo dans le futur, c'est toujours important, il y a qu'on éloigner quartier général, la présidence de la République. Dans des pays d'ailleurs, Moussoussou. Quelqu'un m'a même fait comprendre que la Maison Blanche, dans quelques centimètres ou kilomètres autour, il y a Maison Blanche, il ne peut pas y avoir des maisons, des immeubles, ou les qui Maison Blanche dans Moulaï. Parce que un sniper, peut-être à quelques kilomètres ou à quelques mètres ou à une distance raisonnable, et à calculer, et puis il descend un chef d'État. Bon, tu as la peine à Champs-Élysées, vous allez voir pratiquement la même. Bah, oui, la Champs-Élysées, vous allez voir aussi pratiquement, c'est la même chose. Donc, dans l'Élysée, par exemple, dans la hauteur, ma casse, et puis, on a battu les policiers, les militaires, non. Ce qui est bien, c'est que les généralement, bah, hôtel, généralement, bah, bâtiment, mon administratif, mais ils ont l'armée, parce que ce n'est pas possible. Ils ont concevable. C'était le cas chez nous. Donc, ce n'était pas normal, il fallait que l'on la bangouane. Alors, bateau, bah, pour mener un message comme quoi, bah, l'ingibalongwa, tout ça, et ça, le kouta. C'est une décision qui a été prise après avoir réfléchi. Ça, c'est la première, le premier élément. Deuxième élément, Bandeko. Bati kakoko saba congolais que non, kounite ko salima, ba soda bako mandoki, c'est faux et archi faux. Et le kouan dans le bango, eza lokuta. Bandeko ya FCC, baye bake, bango tende badana monopole ya violence. Bah, dans le monopole, il y a violence. Tout le monde qui est en continue, Kolobango Mikolo Nyonso. Arrêtez de croire que vous avez le monopole de faire du mal aux gens. Vous avez le monopole de la rébellion. Mouto a ça la rébellion, t'es ça de pèse. Tous les partis politiques, pour la plupart des cas, ont aminé Nambokao, bah, ça la rébellion. Donc, ce n'est pas un monsieur comme Bemba que vous allez rappeler, oh non, Torwang Sabino, non. À Bemba, vous ne pouvez pas intimider Bemba la guerre, parce que bah, ça la yango. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait ça. Et attention, il y a encore un groupe d'individus au bas après l'élo. Ceux qui veulent imposer sur une autre logique, ne vous en faites pas, il y a des gens qui prendront les armes dans ce pays. Ce ne sont pas les énergies qui vont nous manquer. Parce que ce qu'on a accepté, on ne pourra plus accepter ça. Nous avons vu ce que 18 ans nous a coûté. Et il y a des choses que le pays ne voudra pas. Ça, il faut que les gens comprennent. Alors, pour dire que la menace, non, mais ce pays sera ingouvernable. Non, le pays a déjà été ingouvernable, ça fait 18 ans. Le pays était ingouverné, on était dans une ingouvernabilité terrible. C'est suffisant maintenant. Il est temps de construire le pays. Le problème est que Batouana Bakozanga a une réponse appropriée. Bakozangaka, ma réponse appropriée. Parce que de l'autre côté du président Félix Tshisekedi, il n'y a pas encore une brigade numérique Yamalonga. Avec des moyens conséquents pour répondre exactement le coup de la bango. Parce qu'eux, ils utilisent les médias pour répondre. Mais de l'autre côté, Afachi, bon, ils pensent que c'est normal, bon, il faut laisser comme ça. Pourtant, c'est en ce moment qu'on met les moyens. C'est en ce moment qu'on met les paquets pour renverser la tendance. En fait, la minute est la guerre psychologique, c'est médiatique. Et les gens de l'UDPS devraient le comprendre. Oh, elle se sent ça, la guerre psychologique. Alors, quand on a une opinion, il veut s'aimer un trouble, il veut s'aimer une peur dans la population. Et dans le bang, il faut démoraliser le bateau, il faut démobiliser le bateau. Mais vous devez avoir des gens qui sont capables de retracer, de refaire, de reconstruire les choses. Mais si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Donc, il est très important sur cette question-là. Bandeko, il y a FCC. Tant que vous avez plusieurs fois, on entend la même chose.
on entend la même chose. Donc, il y a Est, Toksima Bitumba, Toksima Mandoki. Mais qui vous interdit d'aller le faire? Le problème, c'est que vous pouvez faire ça, on vous appellera des rebelles. Et les rebelles ont un sort. On connaît tous comment ce gel-là se produit. Là, il faudrait qu'on évite un peu ça. Alors, si on prend maintenant la lettre de M. Kabila au chef d'État africain, je ne vais vraiment pas m'attarder sur ça parce que je n'ai pas encore la lettre avec moi. Mais je n'ai pas encore la lettre. Donc, j'attends à voir la lettre en question. Quand je l'aurai, je vais décortiquer ça. Je viens de dire les choses au nom de la maîtrise dans mon sécurité. Donc, Mouto a donné la lettre et a titre de la mission. Notre rédaction, jusqu'en ce moment où on est en train de parler, nous n'avons pas encore reçu une copie de la lettre. Ce qui est aussi copie de la lettre, nous décortiquer et je vous dirai ma faiblesse. Mais une chose est vraie. Vous avez finalement un Joseph Kabila qui se plaint maintenant, qui prend tout le monde à témoin. Un Joseph Kabila qui cherche maintenant des résultats, des résolutions ailleurs. Il y a un balai diplomatique qui se fait. Du côté à Félix Tshisekedi, non du côté à Joseph Kabila. Mais réussite à Makambo Nyoso et Zoutana Kati Aou. C'est le chef de l'État. C'est à lui de décider si cette campagne va continuer. Je vous avais dit que le jour où Félix Tshisekedi dira assez et vous allez assez. Donc, acceptez que tout le monde va aller lettre. Tout le monde va prochainement. Mais revenons sur le Makambo et le Parlement. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a 6 pétitions qui vont être lancées dans peu de temps. 6 pétitions contre l'Assemblée nationale, contre le bureau tout entier. Et ce bureau va tomber. Sur base de 6 pétitions, où ils ont déjà bénéficié, il y a 280 députés. La façon où ils ont fait les massicots, ils ont boué. Retenez aujourd'hui. Il y a l'hypothèse, il y a dissolution à l'Assemblée nationale, et comme il y a l'hypothèse, il y a Souka. J'ai dit merci au chef de l'État pour nous avoir écoutés. Si on a dessiné, l'hypothèse, on a la dissolution, et comme l'hypothèse, il y a Souka. Si on a requalifié la majorité parlementaire. Or, le travail, ce qui est bizarre, il faut vous le dire, parce que moi, je ne peux que vous amener les vérités. Le plus étonnant, c'est que le FCC Kabouani, et comme FCC Bar Tshisekedi, na FCC Bar Kingakati, retenez la date d'aujourd'hui, vous me donnerez raison. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Il y a un FCC Tshisekedi, et puis un FCC Kingakati. Le FCC Tshisekedi, si va voter, si va signer, avec photos et vidéos à l'appui. Va signer, va indiquer qu'on participe à la nouvelle majorité parlementaire. FCC Bar Tshisekedi, Batouana, Bazali. Bazali aujourd'hui, plus de 100 et quelques, comme ça, je crois 150, quelque chose comme ça. Je peux me tromper, parce que le total est à 280. Mais bizarrement, la total à 280, voilà. Est-ce que vous savez que la majorité, il y a battu ensemble, va voter non, battu ensemble, je ne sais pas si je ne peux pas dire que la majorité, mais une bonne partie, il y a battu ensemble, signé la note. Mais il y a 280. Mais une bonne partie, il y a battu ensemble, signé la note. Quelques personnes, il y a MLC, signé la note. Je crois 5 ou 6 personnes, il y a MLC, signé la note. Donc, imaginons que le FCC, on a signé, battu ensemble, on a signé, c'est possible qu'ils vont atteindre 300. Donc, ils ont dépassé largement la notion de 251 députés. Parce que Félix Tshisekedi, quand il a appris que Makomaki a 250 députés, il a dit c'est pas possible. Je n'ai pas besoin d'avoir une majorité égale à égale. On n'a pas besoin. Il faut que dans la majorité, il y a au moins 280. Au moins 280. Parce que ceux qui ont besoin de 251, a 249, inconvénient de la que Nabao Abino 251, le jour de grands projets, de grandes réformes, au Abino quelques personnes qui peuvent coyoter parce qu'il va courber là, parce qu'on a un déplacement, parce qu'on a un empêchement. Et ça peut se faire basculer. Donc il faut garantir au moins marge à 20 ou 30 ou 40 pour que ceux qui ont 10 basate, ou même pas Abino, sur certains points, il y a des indécis, mais bon, au moins l'icolo. Et c'est la démarche maintenant. Je peux vous garantir, moi, avant de dire des choses, mes frères, je prends le soin de suffisamment vérifier. Au moins, il y a une lettre à Kabila. Dans le bilan, lettre, on a des éléments d'un côté, on le battait. Parce que je n'ai pas des éléments. Quand je dis des choses, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup investigué et je donne les informations selon Kenayo Keliango. Ce qui s'est révélé fausse et que la tactique a échoué.
et que la stratégie échoue, et que par exemple que tu as changé ma cambo la dernière minute. Mais au moins l'information n'a y aller là, c'est-à-dire que il y a 280 signatures. Il y a la création de FCC Tshisekedi. Obinyango, Union Sacrée. Voici maintenant comment ça va se passer. Les députés, vous n'avez aucune idée du plaisir que j'ai. Parce qu'ils m'ont entendu. Je le disais ici, que le chef de l'État, Abengaba député, a expliqué Bango ce qu'il attend d'eux. Ce n'est pas un partage de poste. Non. C'est-à-dire que M. Bahati, M. Fayulu, pardon, je vais dire Bahati, Lamouka et tout ça, bah, le président peut dire, ok, avec vous, vous aurez par exemple 3 ministères. 3 ministères de la Yabino. Bino Koto, vous aurez peut-être 3 ministères aussi. Bino Koto, vous aurez par exemple 2 ministères aussi. Et le président aura un premier ministre qui viendra de cette majorité-là, nouvelle majorité. Ce premier ministre, il est que vous allez. Maintenant, il y a une stratégie. Je ne vais pas vous donner toute la stratégie parce qu'il faudrait ne pas tout divulguer. Lorsque le procès, au cas où le bureau ne tombe pas, au cas où ce bureau ne tombe pas, avec beaucoup de chances qu'il tombe, mais soit il est tombé, la nouvelle majorité va appeler le premier ministre, dans le Bango déjà, va inviter le premier ministre actuel et lui retirer la confiance. Parce que lorsque vous avez dépassé le quorum, on ne parle plus d'une motion simple, maintenant là on parle de retrait de confiance. Les députés vont dire, nous retirons notre confiance, et pas le ministre Wana, et pas le premier ministre, avant la motion de la censure. Et le bureau ne pourra pas protéger ça, le premier ministre tombera. C'est quand le premier ministre va retomber, et qu'on sait que la majorité parlementaire atteint la député Nabango. Sachant que la majorité aura basculé de l'autre côté, ils vont donc décider d'envoyer Oya Bango. Alors, en politique, on appelle ça un premier ministre faible ou un premier ministre absorbé. Pourquoi absorbé? Parce qu'il a les langages du chef de l'État. Matata Mponyo était un premier ministre faible. Mouzito était un premier ministre faible. Tshibala était un premier ministre faible. Kengo Wadondo était un premier ministre faible. Etienne Tshisekedi, à son temps, allait être un premier ministre faible. Pourquoi? Parce que Bangui va appartenir dans le même courant politique, le chef de l'État. Et oui, Nios n'a pas été un petit kid. Nios, parce que lui, il venait de l'opposition. Nios n'a pas été un Nios. Mais au tout, Batikali, au tout, Badana Senaye, Badana Logique Naye, Badana répondre au chef de l'État, Badana Bango, premier ministre faible ou des premiers ministres absorbés. C'est des premiers ministres qui sont dans la logique qui a matérialisé le point de vue à président de la République. Et on appelle ça en politique. Quand un président parle le même langage na Assemblée nationale, Evalaka, majorité parlementaire, Baza, na président, Lolenge Moko, ça veut dire le chef de l'État est le chef de la majorité parlementaire, l'incidence, Sobolingi, ou bien la conséquence, na yango, babenga yango, le silence parlementaire. C'est très important. Le président aura ce qu'on appelle un silence parlementaire. Le silence parlementaire ne veut pas dire on piétine l'Assemblée nationale. Le silence parlementaire, c'est ce que Kabila avait fait en son temps. Le silence parlementaire, ça veut dire on n'aura plus un parlement qui dérange. On n'aura plus un parlement délinquant. On n'aura plus un parlement qui se paiera le luxe de contrôler les actes du président ou les ordonnances du président. Le parlement passera tout son temps à faire son travail parlementaire. Mabé Ngrango, le silence parlementaire. Comment tu veux dire? Bon, ils sont dans... Ils va pour. Le silence parlementaire vient du fait que le chef de l'État a la majorité parlementaire. Il y a moins de bruit, il y a moins de problèmes, il y a moins de discussions. Et quand il y a un problème qui surgit, les conflits sont anticipés. Les conflits entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sont absorbés. Absorbés par quoi? Ou je veux dire anticipés. Anticipés pourquoi? Parce que et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire et la majorité parlementaire, et le gouvernement ont un seul patron. Et leur patron, c'est le président de la République. Donc vous avez les détenteurs de la vision et les exécutants de la vision et les encadreurs de la vision sont tous dans une même famille et ils opèrent ensemble. Déplace ton guito kende dans le logique. Et les déclencheurs, la limite 280
80. Avec 265, c'est bien. C'est quand même assez risqué. 251, c'est bien aussi, mais c'est inconfortable. Les termes sont vraiment la place d'Ango. Lorsque le président a 250 députés plus 1, ça veut dire qu'il forme la majorité parlementaire, mais c'est une majorité qu'on appelle une majorité inconfortable. Lorsqu'il a 265 députés, c'est une majorité, oui, mais c'est une majorité pratiquement instable. Elle peut basculer à tout moment. Mais lorsqu'elle a une majorité de plus de moins 280, alors le président de la République déclenche le silence parlementaire et il se retrouve dans des bonnes postes, dans une bonne posture. La conséquence d'avoir une majorité parlementaire, c'est que vous avez le pouvoir d'avoir Babilo Kognos, Régalia, Nios, Zayayo. Tous les ministères régaliens et d'ailleurs. Tous les ministères de décision et d'ailleurs. De toute façon, le gouvernement t'appartient. Le gouvernement est à ta merci. La banque centrale est à ta merci. La banque centrale est à la merci. Ça permet au chef de l'État de contrôler efficacement l'action et de gérer ça comme ça. Bon, moi, tu as FCC, ma kelelo, tout, bazo salawana. Je le dis il y a des mois et des mois. Je continue à le dire. Et là, parce qu'ils ont encore la banque. Parce qu'ils ont encore l'argent. Le jour où le chef de l'État mettra terme dans le ministère à finance, comme il a fait dans le ministère à justice, vous aurez qu'il y aura un calme aux ongles. Parce que c'est que autres ont assisté dans Awa, ils allaient dans trois comment. Je n'ai jamais vu un ministre des Finances aussi bon, aussi impertinent. Le coup là autres ont aussi quoi. C'est un peu comme le ministre de justice à Zalaki. Un peu impertinent. Donc, au moment où Babilo Kozo, mais même si on a le niveau Mongo et Malamou Mingite, cette arrogance, ils ont outa, parce qu'ils ont encore l'argent avec eux. Et la politique, on va dire, c'est la politique à sabotage. Freinons les dossiers des passeports, tout freiner en go, le peuple va se fâcher, passeport à la tête d'un Mboka Nengeni. Mais posez-vous la question, le dossier du passeport est bloqué où? Pourquoi vous ne posez pas cette question? Le dossier de passeport est là bloqué à quel niveau? Bon, comme Congolais Balongo lié, moi, Moussissère, qu'on réfléchit, moi, Moulaï, il se limite à constater qu'il n'y a pas de passeport, donc c'est fachi. Non, pose-toi la question. Pourquoi n'avons-nous pas de passeport? C'est bloqué à quel niveau? Bon, comment on a ma réponse? Et pourquoi c'est bien Kanda à ma casse? Deuxième chose. Pourquoi IGF a commis le lot bête noire? Pourquoi IGF a commis le lot bête noire? IGF a commis bête noire parce qu'on a quatre classes, chef de classe, babololé à salde, babette à caille. Le chef de classe a ramakas, c'est qu'il y a classe. Soit de milibanda, babololé, nyon, soit à classe, mais qu'on a commis à chef de classe dans Zéla. Pour le bébé, il y a dans Zéla, comme un bavardé. C'est comme ça que ça se passe aussi dans un pays, dans un état. Lorsqu'on dit que bateau va contrôler, mbongo nyon, soit à mboka, va contrôler la régie financière nyon, soit, yon ministre Tomboki, Olingite. On ne comprend pas ça, bon, leçons. Et des leçons que vous ne maîtrisez pas non plus. Bah, leçons, pour la plupart des cas, vous n'avez pas de maîtrise d'ango. Parce que les gens pensent dans ce pays, quand on est ministre, ça veut dire qu'on est le plus intelligent. Non, quand on est ministre, on est le petit de confiance de quelqu'un. Vous avez été parrainé, quelqu'un vous a pris, elle, naïe, et c'est tout. Vous êtes intelligent et pertinent, quelque part, mouton, après ça qu'il y a confiance. Parce que ça n'a jamais été sur base d'un test. Ça n'a jamais été sur base d'une étude. On m'a dit, ok, prouvez-nous que vous êtes celui-là. Oh, alors mérité. Prouvez-nous que vous êtes les Echeomo. Prouvez-nous que vous êtes les Echeomo. Comme compliqué. Donc, vous avez été là. Il y a des gens en politique qui doivent toute leur carrière dans le parrainage. Alors, si déjà votre parrain lui-même a des problèmes génétiques en matière de gestion, bon, je comprends que le reste est compliqué. Ce pays va se sauver quand on saura dire des vérités aux gens pour leur dire vous n'êtes pas des super-hommes. Vous n'êtes pas des extraordinaires. Vous êtes là parce que, bon, y a la fortune a fait que vous êtes la bongo. Mais vous êtes que par compétence, vous revenez beaucoup moins là. Non, non, ce pays a dû au revoir à la méritocratie depuis très longtemps. Vous vous retrouvez là par hasard, vous vous retrouvez là dans la coïncidence, mon robot. Oh, que ce soit un peu boué, oh, défendre l'eau, on va défendre, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait que les gens commencent quand même à comprendre ces choses-là. L'IGF est aujourd'hui menacé. Monsieur Kabou, il y a eu deux pèses. À ça, il y a propos. Il y a propos à l'objet, c'est vrai. Il y a propos incendié, ainsi de suite. Propos, il y a des natures à diviser. Ça, c'est le ministre des droits humains. Le ministre des droits humains qui pense que Monsieur Kabou, il y a un propos séparatiste. Oui, il y a un propos séparatiste. Bon, il y a un traitement séparatiste. Vous l'avez l'air monté?
Donc, ce qui vous énerve, ce sont les propos séparatistes, mais pas les traitements séparatistes. Hein. Donc, quand les militaires ne sont pas payés, c'est normal. Quand les policiers sont traités comme des vermines, ça c'est normal. Quand les prisonniers meurent en prison parce qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas de quoi manger, ça c'est normal. Lorsque les gens ne sont pas en train de vivre dans les meilleures conditions, lorsque quand Lukana, quand Lufungula, les gens vivent comme si c'était des animaux, là c'est normal. Donc, traitement est bien. Traitement est ma bien, ma casse. Ou ils vont condamner, et ça dit, bah, propos à Mouton, l'objet que ceux qui vont continuer le modèle, voilà, et mais la, Makambo et Kabouya, l'objet, ou aïe de pesque, Makambo, Kabouya, l'objet. En principe, c'est Makambo, droits humains des Fala Zoyango. Droits humains des Fala pour Batouana. Pour l'instant, là, les droits humains, bah, l'objet, bien, droits humains, droits à bisou Batou. Mais faut t'en aller, non? Faut mettre un peu tout dans les hôpitaux. Combien de femmes ont mis le monde dans les hôpitaux? Moi, je me disais, parce qu'elles bloquaient mon Kouna. Elles sont retenues prisonnières. Elles ont mis au monde des enfants au bas de la prison, dans les hôpitaux. Les enfants retenus en prison dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de quoi payer les hôpitaux. Ils sont restés là. Droits humains, non, non. Vous voulez quel type de droits humains? Droits humains, c'est quand les enfants vont à l'école sans manger. Droits humains, c'est quand les enfants vont à l'école et ils ne savent pas, ils n'ont pas de banc pour s'asseoir. Ils s'assoient même le sol. C'est dans des conditions inhumaines. Non, mais quand on vit dans un pays où bah, pas s'il y a bateau, et comme il y a un motif de campagne pour la Bango. Lorsqu'aujourd'hui sa générosité est proportionnelle au degré de l'humiliation qu'on a fait subir aux autres. Boya botel mana molongo, na kabela bino mai, boya botel mana molongo, na mi sabasi bino na hôpital. Donc moi j'ai fait des enfants à ma femme et on ne me paye pas, c'est quelqu'un d'autre qui va venir sortir mon enfant à mon sinanga à l'hôpital et va passer comme s'il était, il a participé dans quelque chose na conception à moi na. Parce qu'ils m'ont appauvri. Je ne suis pas en mesure de sortir ma femme de l'hôpital et ils font les robins de bois. Ben moi, c'est normal. Non, arrêtez un peu ça. Arrêtez. Les traitements inhumains entraînent et engendrent des propos. Il y a modèle loin. Moi, j'ai dit au chef de l'État, je continue à demander au président de la République, reprenez la Banque centrale, s'il vous plaît, monsieur le président. Nommez à la Banque centrale quelqu'un qui partage vos convictions. Quelqu'un qui a les idées du pays comme vous, vous l'avez. Je m'en fous qu'il vienne de telle province ou de quelle autre province. Ce n'est pas mon affaire. Tout ce que moi je demande, c'est que le président de la République a changé direction et la Banque centrale. Que le président de la République, dans le prochain gouvernement, ministère et la finance, bon, de toute façon, et vous assurez FCCT parce que vous allez à la FCCT vous en opposition. FCC Kabila va dire en opposition, mais ça va monter. On va oublier cette histoire, il y a arrogance, il y a modèle Loana. Et puis, ton réveillé dossier, il y a inspecteur judiciaire de parquet sur les ministres des Finances. Ce dossier-là est encore là. J'ai encore reçu ce matin des dossiers, il y a un ministère à Finances, la Banque Centrale, il y a un dossier Nango. Je suis en train de planifier, attends, comment on va le faire, comment on va en parler. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Ne vous en faites pas, moi, quand j'amène des dossiers, j'amène des dossiers. Bon, on a pas de dossiers. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai entendu quelqu'un parler de 14 millions de pourcents. Il y a dépassement, il y a budget. Donc, il y a des gens, quand ils se mettent à parler, tu te poses la question, est-ce que le gars est allé à l'école même? Non, moi, à un moment donné, quand je regarde les gens parler à la télé, je me dis, mais waouh, ces gens, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? 14 000 pourcents. Est-ce qu'ils comprennent un peu ce que c'est, d'abord? On est un pays de déclarations, quoi. Les gens aiment déclarer parce que, et ça, la maman Lengi, a déclaré, ça lui fait plaisir, il déclare. Comme j'ai vu un monsieur, visiblement mal, qui dit à la télé, Vital Kamerhe, ah ben innocent, faut pas innocenter, avec sa voix qui est perdue, mais tu dis, mais gars, c'est quoi le problème? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Non, je pense simplement que le chef de l'État décidera de ce qui va se passer. Batouya FCC, va comprendre qu'il n'y a plus un possible retour. Va comprendre que retour est à l'issoussouté. Donc aujourd'hui, l'information, il faut retenir les lots, et ça dit qu'il y a un FCC bar Tshisekedi et ça limite déjà. Boki Bango, la TV, Boki Bango, Bakikoyamba président, Bakoutala président. Et bizarrement, comme les gens ne sont toujours pas en train de comprendre, Bato Bakikoyamba président, Bazaba député, Bazaba président et Aba député, il y a un groupe parlementaire. C'est honteux que le chef de l'État a reçu.
Les gens ne comprennent pas pourquoi le chef de l'État a reçu le ministre, l'ambassadeur. Il y a deux ambassadeurs, il y a deux pays étrangers. Il y a Mine Nepe. Pourquoi il y a Mbaki Bango et pourquoi il est qui n'a été vété? Ça, les gens ne se posent pas de questions. On en parlera un autre jour. Mais il y a aussi la question de la Cinco. Bon, ce qui est vrai, je suis un peu divisé sur la question, partagé sur la question. Je ne sais pas à quoi les membres de la Cinco vont jouer. Naïbité. Intermédiaire au Bango Bakulu Kobasala, intermédiaire au Bango Bakulu Kobasala, Nazo Ebate. Et entre-temps, je me pose la question. Est-ce qu'on a subconscient, il y a Sango? Est-ce que vous considérez Kabila le roi à Roua Congo, t'es par hasard? Pourquoi pensez-vous que pour que les choses changent dans ce pays, il faut forcément et impérativement parler avec Joseph Kabila Kabangi? Pourquoi? Est-ce que vous ne lui donnez pas une force qu'il n'a pas? Est-ce que vous ne donnez pas un niveau au hasard d'un côté? Loin de moi l'idée de sous-estimer Joseph Kabila Kabangi. Je ne le sous-estime pas. Mais la question de Joseph Kabila Kabangi, sa survie politique, ses conditions de futur, elles ont déterminé la loi. Le problème de notre pays, nous n'avons pas un problème. Le problème chez nous, c'est non, appliquons simplement la loi. L'ancien président, avant dans la logique, n'ayez ancien président. L'actuel président Assala Moussala ou Sengi, nouveau président Assala. Et Assala a prérogatif ou Zongé lié Assala Yango. C'est fini. Au lieu que toi, on a aucun nombre, quand on a un bon de la gabato, quand on a fait la consultation, ou pas sali, fallu ou pas bengi ou la consultation. Mais alors, on se pose la question, Tolingi Nini à la fin. Si tous nous voulons la rupture, on a dit, médiocre, on a un écoloba. Oh, mon sœur, on a écoloba. Mais c'est qui Bango Kagano? Si on a dit, 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 on a. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Moi, je ne comprends plus rien dans ce pays. Tantôt, vous êtes d'accord, tantôt, vous êtes d'accord, tantôt, il faut pas rompre, il faut te fragiliser, mais après, mais vous allez encore le fortifier. Vous dites que vous allez le fragiliser. Vous allez encore le fortifier. Donc, c'est un mélange que je ne comprends pas. Cher prêtre, cette démarche risque de vous disqualifier. L'unité dont vous voulez d'abord chercher, il n'y a pas de l'unité dans le désordre. Cherchez d'abord à consolider la démocratie. Cherchez d'abord à faire respecter les lois de la République. Prêchez la culture de respect des textes. D'abord. Après l'unité, vous allez faire ça après. Parce que ça ne sert à rien que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi va couper un abat sur le labaï, un banaba seka. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que est-ce que nos lois sont respectées? Est-ce que nos textes sont respectés? Est-ce que la classe politique s'est émancipée? Tant qu'on n'aura pas changé l'homme, le reste, là, il est à mon côté. Arrêtons un peu ça, sinon ça nous discrédite, ça ne nous fait pas avancer. Monsieur le président de la République, reprenez le ministère des Finances, s'il vous plaît, dans le prochain remaniement. Reprenez le ministère des Finances, reprenez la Banque centrale. Le président ne peut pas réussir sa mission sans le contrôle de l'argent. Si vous ne contrôlez pas les recettes de ce pays, IGF le but déjà que bah, deux premiers, bah, trois mois ou autre, tout ça, donc malgré Covid, la bah, recette est quand même stable. Donc là, IGF ne comprend pas, il n'y a pas tout ce même IGF ne comprend pas. Donc là, IGF ne comprend pas, mais il n'y a pas de fonction publique, il n'y a pas de tout à côté tel, il n'y a IGF ne comprend pas ça, il ne comprend pas. IGF ne comprend pas qu'il y ait des unités, de nouvelles unités, celles qui ne sont pas foutues. Alors, comprendre en côté, parce que Mongo Zali, c'est qu'à ceux qui Mongo Zali, pourquoi on ne décaisse pas le fond? Donc, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un sabotage. On ne paye pas, ça révolte les gens sont dans la rue. Balingi bongo. Alors, chef de l'État, si vous avez un salaud, makambouana, salaï makambo, salaï qui bota liboso, c'est simple. Balou bakana li pa na biso na kimongo. Bangela nkem, nkem angele tape. Bangela mpomba, mpomba angele botou. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Digilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Digilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Digilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Pour le service sur Digilink, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien,
monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur djdjlink.com. Peace out.